Audio Jungle. Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Aujourd'hui, petite vidéo sur un nid de frelons asiatiques. Non, européens. Et où ils se sont cachés ces frelons européens? Ils se sont cachés dans une cabane à oiseaux. Je vais vous montrer. Alors, juste là. Donc il n'est pas gros, hein. On est au mois d'août, hein. Donc il n'est pas gros. Bon, on va mettre un petit peu de poudre. Le problème de ça, c'est qu'ici, juste là, vous avez une terrasse avec une vitre. Et les frelons, le soir, ils viennent toquer. Ils veulent rentrer, ils veulent boire l'apéro, c'est l'été et tout ça. Donc voilà. Donc le propriétaire, ben, il ne peut pas garder ce nid. Du coup, le nid d'oiseau, ben, il est plein. Donc les oiseaux, ils n'y vont pas non plus. Donc il faut traiter ça. Allez, je m'habille, je me prépare pour le combat et je vous dis à de suite. Allez, c'est parti pour le combat. On va aller voir ces petits frelons européens. Donc, allez, on va aller voir ça. Salut les petits frelons. Sympa la maison. Ça va? Alors qu'est-ce que tu veux dire? Tu passes sur YouTube là? Newman? Voilà, petite attaque. Donc vous voyez quand même le plan européen, il s'est attaqué. Donc il faut faire attention. Donc là ça suffit. Ça reste magnifique. Donc vous voyez tous ces frelons quand même, il y en a beaucoup qui arrivent de l'extérieur, hein. Ils savent que le nid a été attaqué, donc ben, ils viennent de suite voir ça. Donc là pour l'instant ils s'occupent un peu de la GoPro. Je sens que voilà. Donc le frelon européen, hein, nécessaire pour l'écosystème, mais voilà, là il est un peu gênant. Donc il faut faire en sorte qu'il ne bouge pas. Il faudrait qu'il s'installe ailleurs qu'à côté des maisons. Voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, un petit like et je vous dis à très bientôt les Dédés.